Et on va attendre le dernier virage. Nous sommes à 10 secondes maintenant. Il va faire attention. C'est tout de même 3 secondes, 2 secondes, 1 et c'est bon. Oh, quelle poussée! Oh! De la part de Howard Schnabel, on the edge. Oh là là! John Schuck n'avait plus d'espace qu'à manger une des queues d'eau. Alors attention au virage, qu'est-ce qu'on a? On a un dépassement et à l'intérieur. Yann Lecomte dans le virage là, n'avait plus d'espace, il est immobilisé en ce moment. Incroyable! Ah ben Yann Lecomte, quelle déception pour lui. Alors que notre meneur est pourchassé là. Il a levé le capot, donc c'en est fait de la course pour Yann Lecomte. Et là, est-ce qu'il y a eu... C'est Rob Stevenson qui est là à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des pilotes qui ont fermé dans le virage pour lui couper la voie? On va voir plus tard, mais là, ça en est fait pour Yann Lecomte. C'est Rob Stevenson qui est là à l'intérieur pour chasser par Howard Schnabel. On agite là, le drapeau jaune, très important. Lecomte est en plein dans le virage. Ça, c'est extrêmement dangereux, là. Donc on tourne assez serré, mais pour Howard Schnabel qui est passé très très près, également pour le reste des embarcations, c'est pas simple. Là. C'est une situation absolument très précaire, ne serait-ce que pour Yann Lecomte pris dans son embarcation. Quoi qu'il en soit, le roi doit se passer dans son embarcation. Là, si j'étais officiel, j'arrêterais la course. Oui. Toujours le wet spot en première position. Et on a une remontée derrière sur Howard Schnabel de la part de Sylvain Campeau, le CS43. Alors, surprise, là, Howard Schnabel, vraiment étonnant là, d'être en deuxième position. Pilote qu'on connaissait plus ou moins. Et attention à Yann Lecomte dans le virage, il est vraiment mal positionné. Oui, il suffirait là, de mauvais virage. Oui, souligner aussi de la performance de Dominique Demers, qui est quand même quatrième là, avec le Wave Dancer. L'embarcation blanche de CS44, oui. Oui, qui passe devant la passerelle. Là. Quoi qu'il en soit, notre meneur demeure toujours Rob Stevenson, suivi. Mais attention, là, Howard Schnabel qui tranquillement perd du terrain auprès de Sylvain Campeau. Un mec qui est certainement déçu à soi, c'est Yann Lecomte, là. Mais à savoir, est-ce qu'il y a eu, on a fermé les corridors, c'est ce qu'on ne sait pas. On va voir le jugement des officiels. Un passage, une collision épouvantable entre Sylvain Campeau et Howard Schnabel qui ont mis fin à la course immédiatement. C'est Schnabel s'est arrêté dans le coin et là, Campeau n'a pu l'éviter. Il est actuellement sens dessous. Alors, il faudrait que les pilotes s'arrêtent, là. Drapeau rouge, il faut s'arrêter. Alors, il faut le sortir, évidemment, le plus rapidement possible de son embarcation, là. Mais est-ce un bris de moteur de la part de Schnabel que c'est assez difficile à dire là-dessus, Denis? Ça semble être une perte de contrôle, possiblement. Il a fait comme un crochet. On a vu Campeau, là, ça s'est fait à la toute dernière seconde, n'a pu l'éviter. Il est actuellement à l'envers dans l'embarcation de... Évidemment, les plongeurs là, sont déjà sur place. David Métivier.